Madame la greffière, veuillez appeler l'affaire pour ce rôle. J'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de Madame Lopez, portant le numéro 3628, requête du préfet de l'Ardèche contre la commune de Saint-Michel-en-Montagne. Merci. Madame la conseillère, nous vous écoutons pour le rapport sur cette affaire. Merci Madame la Présidente. Par une requête enregistrée le 6 février 2036 et un mémoire enregistré le 15 février 2036, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2035 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a autorisé l'association Pensée Anthroposuprémaciste à développer son activité dans le métaverse de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2036, la commune de Saint-Michel-en-Montagne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. C'est dans cet état, brièvement résumé, que se présente l'affaire à l'audience. Merci. Madame la rapporteure publique, nous vous écoutons pour les conclusions sur cette affaire. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les conseillères, ce dossier vous amènera à vous prononcer sur quelques axes de réflexion. Le droit positif est-il applicable dans le métaverse? La liberté d'expression n'a-t-elle pas de limite dans le métaverse au prétexte qu'il s'agit d'un espace virtuel? Qu'en est-il du respect de la dignité d'un animal virtuel dans le métaverse? Nous rappelons que nous sommes en 2035 et que les espaces virtuels tels que les métaverses sont largement développés. Alors de quoi s'agit-il? Le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-en-Montagne, situé en Ardèche, a créé il y a 2 ans, en 2033, son jumeau numérique dans le métaverse. Cette commune s'appelle Saint-Michel en métaverse. Elle est administrée par un conseil municipal, lui-même virtuel, mais demeure sous le contrôle de la commune réelle qui y autorise les activités proposées aux utilisateurs. La finalité initiale de ce projet est de développer à l'échelle locale le tourisme. Ainsi, chaque individu peut disposer de son propre avatar afin de parcourir l'espace territorial communal virtuel. À compter de la création de cette commune virtuelle, plus de 20 000 avatars s'y sont promenés chaque semaine. À compter du 12 juillet 2035, l'association Pensée Anthroposuprémaciste a sollicité de la municipalité de Saint-Michel-en-Montagne une autorisation de location d'une salle virtuelle. L'activité que l'association promeut repose sur une méthode de développement personnel basée sur la création d'un avatar animal souffre-douleur. Elle consiste pour les individus à faire subir dans le métaverse toutes sortes de maltraitances à l'avatar animal, le but étant de se défouler et de se libérer de ses pulsions, avant de mieux se comporter avec les humains une fois de retour dans la vie réelle. Par un arrêté publié le 25 août 2035, la demande de location au profit du développement de l'activité de l'association a été autorisée par le maire. La commune revendique alors son ouverture à toutes les sensibilités et à toutes les activités commerciales virtuelles. Elle défend la liberté d'expression au sein de ces espaces. Le préfet de l'Ardèche a déféré l'arrêté municipal de Saint-Michel-en-Montagne devant le tribunal administratif. Au soutien de son recours, il soutient que la liberté d'expression n'est pas absolue et que la maltraitance animale, même virtuelle, ne peut être tolérée. Nous allons vous proposer d'annuler l'arrêté litigieux, ce qui nous conduit à analyser les moyens souples. Avant toute chose, nous précisons pour la complète compréhension du tribunal que le droit positif a vocation à s'appliquer dans le métaverse. Effectivement, la commune de Saint-Michel-en-Montagne et l'association Pensée Anthroposuprémaciste sont liées par une autorisation de location, laquelle est soumise aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Est entendu par local communal un espace appartenant à la municipalité et contrôlé par la collectivité publique. L'article 244-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. En l'occurrence, le local appartient à la commune de Saint-Michel-en-Montagne. Ainsi, celui-ci peut être utilisé par toute association qui en fait la demande. Le caractère virtuel de la finalité de l'activité exercée dans ce local ne fait pas obstacle à ce que le droit positif intervienne et s'applique de ce fait, les dispositions légales étant d'ordre public. Par conséquent,
conséquent, nous affirmons que l'existence d'une autorisation préalable octroyée par la commune suffit à démontrer que le droit positif a vocation à s'appliquer dans l'espace virtuel. Nous abordons à présent le moyen selon lequel le maire serait incompétent pour autoriser l'association à exercer son activité. Nous relevons qu'il s'agit bien d'une question de compétence et non d'un excès de pouvoir du maire comme il l'a été annoncé par les partis. Au terme de l'article 2244-3 du Code général des collectivités territoriales précédemment cité, le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Ainsi, le législateur entend conférer un pouvoir de gestion des locations communales au maire en vertu de ses prérogatives de puissance publique, particulièrement de police administrative. Nous rappelons que les pouvoirs de police municipale sont octroyés au maire au titre de l'article 2212-1 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la jurisprudence constante du Conseil d'État soutient qu'en l'absence de texte législatif habilitant expressément une autorité de police administrative, cette dernière ne saurait instaurer un régime d'autorisation préalable au titre de ses pouvoirs de police. En l'espèce, le maire a effectivement autorisé une association à développer son activité reposant fondamentalement sur la prise de position philosophique et d'ordre politique et moral. En l'absence de dispositions spécifiques prévoyant une habilitation particulière au profit du maire, l'adage specialia generalibus derogant, c'est-à-dire les lois spéciales dérogent aux lois générales, lequel est fondamental en droit français, a vocation à s'appliquer. Autrement dit, le maire s'en remet aux dispositions générales du Code général des collectivités territoriales pour autoriser une association à exercer son activité dans le local. Enfin, les dispositions législatives relatives au Code du tourisme ne retiendront pas notre attention. En tout état de cause, nous considérons que le moyen est partiellement opérant, dans la mesure où le maire est doté d'une compétence d'autorisation d'utilisation des locaux communaux, ce qui revient à conclure que l'autorité éditrice de l'acte était celle bien compétente, mais d'autre part, aucune disposition législative ne lui octroie d'habilitation spéciale pour autoriser une association dont l'activité repose sur la prise de position d'ordre politique et moral, ce qui revient à questionner la compétence du maire pour délivrer ce type d'autorisation. S'agissant du moyen suivant, nous interprétons le moyen comme étant un défaut de base légale plutôt qu'un défaut de motivation. Nous considérons tout d'abord qu'il faille prêter attention à l'autorité éditrice de l'acte portée devant notre juridiction. Il s'agit du maire en vertu de ses pouvoirs de police et dans le cadre de ses compétences. Les parties ayant conclu que l'acte avait été adopté par le conseil municipal, nous vous proposons de rectifier ce point. À la seule lecture, nous estimons à cet égard qu'il ne saurait y avoir de débat quant à la motivation de l'intérêt public local de la décision administrative. En tout état de cause, une décision administrative individuelle et créatrice de droits favorables à son bénéficiaire, telle que la décision d'autorisation de la location du local, ne demande pas à être motivée. Ainsi, nous devons nous assurer de concilier les intérêts et les libertés en jeu dans la démarche qui tend à annuler la décision administrative litigieuse. Nous poursuivons donc en abordant la question de la liberté d'expression invoquée par le maire. Nous constatons que la volonté du maire est de dupliquer la commune dans le métaverse, ce qui implique que les règles applicables au sein de la commune le sont également au sein de l'espace virtuel. Or, il ne nous a pas échappé que la liberté d'expression, laquelle revêt une valeur constitutionnelle, n'est pas absolue. Effectivement, elle doit être conciliée avec d'autres libertés, et ce, afin de garantir le respect de l'ordre public. Ainsi, dans la démarche qui tend à l'annulation de l'arrêté municipal, nous effectuons une balance des intérêts. Nous nous interrogeons notamment sur la question de savoir si la liberté d'expression est sans limite dans le métaverse, au prétexte qu'elle se déroule dans un espace virtuel, alors même que ce dernier est soumis aux règles des espaces réels et physiques. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État en matière de police, il ressort un principe selon lequel la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Nous rappelons ici que les mesures de police sont soumises au triple test
proportionnalité. C'est-à-dire que l'arrêté municipal doit être adapté, nécessaire et proportionné à la défense de l'ordre public. Concrètement, la pratique témoigne que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression, laquelle est de nature à troubler l'ordre public, justifiant par là l'intervention d'une autorité de police administrative. Les juges de la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt de 2014, ont déjà eu l'occasion de juger que, s'il appartient à l'autorité investie de police de prendre des dispositions qui exigent le maintien de l'ordre public, il lui incombe, dans l'exercice de ses pouvoirs, de concilier son action avec le respect de la liberté de réunion et de manifestation. Que le respect de la liberté de manifestation ne fait toutefois pas obstacle à ce que cette autorité interdise une manifestation ou en modifie les conclusions, si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. Cela vient confirmer qu'une liberté fondamentale puisse être légalement encadrée, restreinte des nécessités d'ordre public l'exigent. Nous allons à présent interroger la conformité de la décision administrative au respect de l'ordre public. L'ordre public est défini matériellement par l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. L'autorité municipale doit à ce titre prendre soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les risques et les disputes accompagnés d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique et tout autre acte de nature à compromettre la tranquillité publique. Par extension, nous considérons que l'ordre public vaut également dans le métaverse. Nous rappelons ici que l'association développe une activité incitant les avatars à se défouler grâce à l'emploi de tout type de violence sur des animaux virtuels eux aussi. Les effets de cette méthode de développement personnel et leurs conséquences tant dans le monde virtuel que réel ne sont pas certaines ni prévisibles. Qu'ainsi, il existe bel et bien un risque de débordement des comportements virtuels dans la vie réelle qui ne peuvent pas être tolérés. En effet, les manifestations de violence exercées dans l'espace privé ou public à l'égard des humains comme des animaux sont réprimées par les lois. Nous citerons qu'à titre d'exemple, la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale. Au motif de l'applicabilité de ce droit dans les espaces virtuels, nous en retirons que les violences sont également prohibées dans le métaverse. Et le risque de trouble à la sécurité des individus, des avatars et des animaux réels et virtuels réside dans la transmission des pulsions d'un espace à un autre et plus largement dans l'incitation à la violence que promeut l'association. D'autant plus que la diffusion de cette pratique entend légitimer l'exercice de la violence, même virtuelle. Il n'est en rien désirable de cultiver toute forme de violence au sein des espaces virtuels pour répondre à celles qui seraient interdites dans le monde réel en leur offrant un espace d'extériorisation et de manifestation. Nous considérons que le maire n'a pas mesuré de manière juste et appropriée aux exigences de l'ordre public les ampleurs de l'autorisation de ces formes de violence et leurs répercussions. La juridiction administrative suprême a déjà été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une liberté fondamentale telle que la liberté d'expression peut être restreinte pour des exigences d'ordre public. Dans l'affaire Dieudonné de 2015, le juge administratif avait reconnu cette possibilité à condition que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté soient toujours proportionnées. Or, si les risques de débordement dans la vie réelle des opportunités de violence sont probables, ils n'en sont pas moins éventuels. Un trouble éventuel à l'ordre public peut-il alors suffire à lui seul de justifier une mesure administrative ? Malgré tout, nous considérons qu'en raison du risque de développement d'un sentiment de violence légitime, c'est-à-dire de légitimer par des méthodes thérapeutiques, une telle activité peut être restreinte sans porter une atteinte manifestement excessive à la liberté d'expression. Autrement dit, par cette décision ne tend pas à garantir en tout état de cause la sécurité effective des êtres vivants placés sous l'autorité du maire. S'agissant à présent du respect de la dignité animale dans les espaces virtuels par l'arrêté municipal, les dispositions légales et internationales antérieures ont amené le juge administratif à faire
faire évoluer sa position quant à la question animale plus largement. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits des animaux de 1978 prévoyait qu'aucun animal ne doit être soumis à des mauvais traitements ou à des actes cruels. L'article 5 précisait en outre que les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi être respecter leur dignité et ne comporter aucune violence. À compter du 16 avril 2030, le Conseil d'État, dans l'arrêt Association 30 millions d'amis, a consacré la dignité animale en tant que composante de l'ordre public, au regard de l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Que le respect de la dignité humaine, relève donc des autorités de police municipale. Le juge a pris soin de préciser que le maire peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porterait atteinte au respect de la dignité de l'animal. Plus encore, le droit communautaire a étendu la notion de dignité jusque-là limitée à l'intégrité physique à la sphère virtuelle. Le règlement numéro 2032-1026 du 27 juin 2032 a effectivement consacré l'existence de la dignité virtuelle, qui revêt donc une portée au sein du métaverse. Dans cette logique, le Conseil d'État a par la suite reconnu que la dignité virtuelle de la personne humaine, comme de l'animal, est une composante de l'ordre public, dans l'arrêt Association Corrivers du 15 janvier 2034. Le juge administratif entend par atteinte à la dignité animale virtuelle, nous dit-on, l'atteinte portée à l'honneur de l'animal virtuel, soit parce qu'il est exhibé à la vue de tous dans des positions humiliantes et dégradantes ou décrédibilisantes, soit parce qu'il est exposé en pleine souffrance au grand public. D'abord, nous affirmons que la dimension virtuelle de l'activité ne constitue pas une circonstance locale particulière. En effet, le droit positif s'applique dans le métaverse. Il n'y a pas de circonstance qui autoriserait la pratique de violence publique au sein de la commune de Saint-Michel en métaverse. Ensuite, nous jugeons qu'au regard des dispositions citées, les violences infligées dans la commune virtuelle aux animaux virtuels par les avatars ne sauraient être légalement justifiées et ne sont pas non plus conformes aux exigences du maintien de l'ordre public. En effet, les animaux même virtuels disposent d'une dignité susceptible d'être atteinte par les violences permises par l'activité promue par l'association Pensée Anthroposuprémaciste. Le maire est compétent pour interdire une activité portant atteinte à la dignité de l'animal. Or, en l'espèce, les atteintes à la dignité de l'animal virtuel sont avérées, mais le maire n'a pas fait usage de ses pouvoirs pour les empêcher. Par conséquent, la décision d'autorisation de l'activité n'est pas conforme aux exigences de l'ordre public. Vous ne pourrez donc que faire droit au référé préfectoral. Par ces motifs, nous concluons à l'annulation totale de l'arrêté municipal du 25 août 2035. Merci. Pour les associations requérantes, nous vous écoutons pour vos observations. Merci Madame la Présidente. Mesdames les conseillères, pour appuyer les propos de Madame la rapporteure publique et après avoir analysé les moyens de la partie adverse, il est nécessaire de revenir dans un premier temps sur un point central du litige en cours, celui de l'application du droit positif au sein du métaverse, que la partie adverse réfute en tout point. Dans ce cadre-là, je tiens avant toute chose à rappeler que le droit français est riche de principes importants, dont l'adage selon lequel, en l'absence de règles spéciales, comme il est le cas pour le métaverse, le droit général doit s'appliquer. Ce principe est fondamental et fait l'objet d'une consécration constante au sein de vos jurisprudences. Ce principe est clair, fondamental et nécessaire à la sécurité juridique, mais la partie adverse conteste toutefois son application dans le cas d'espèce. Je vais vous démontrer, en plusieurs points, que l'argumentation de la partie adverse est dénuée de fondement et remplie de paradoxes. En premier lieu, elle admet qu'est demi un lien irréfragable entre le monde virtuel et le monde réel. Cependant, sous couvert de l'absence de statut juridique des avatars, le droit positif ne devrait pas s'appliquer, laissant la réglementation au droit naturel. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le droit positif et le droit naturel ne rentrent pas frontalement en contradiction, parce que le droit positif englobe le droit naturel, donc l'application seule du droit naturel qui, nous le savons, relève davantage de considérations philosophiques que juridiques, ne convainc pas.
De plus, ce sont les utilisateurs du métaverse, disposant eux d'un statut juridique qui représente leurs avatars. Ce sont bien les hommes qui commandent les faits et gestes de leurs jumeaux numériques. Impossible pour les utilisateurs de se dédouaner de leurs agissements. En second lieu, la partie adverse opère un paradoxe clair dans son argumentation. En effet, elle affirme que ce sont les dispositions du règlement intérieur de location des salles communales de Saint-Michel-en-Montagne qui justifient la mise à disposition d'une salle communale à l'association Pensée Anthroposuprémaciste. De ce fait, il convient de rappeler que le droit positif est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur en France et que donc le règlement sur lequel se base la partie adverse est partie intégrante du droit positif. Cependant, la partie adverse continue de nier l'application du droit positif au sein du métaverse. Le paradoxe opéré est donc clairement établi. En dernier lieu, mesdames, je tiens à vous faire part de notre surprise lorsque nous avons constaté que la partie adverse affirme que le métaverse est, je cite, « une zone de non-droit ». Cette affirmation heurte frontalement l'essence même de la nécessité fondamentale d'encadrer les espaces virtuels qui sont omniprésents dans la vie de tous, eu égard notamment aux potentielles dérives qui peuvent être opérées dans ces derniers. La Cour néerlandaise a su réagir en appliquant le droit positif à une affaire liée à un vol commis au sein d'un espace virtuel. La partie adverse prétend toutefois que l'analogie faite entre cette affaire et le cas d'espèce n'est pas pertinente, puisqu'elle affirme qu'en droit pénal français, le principe de la matérialité d'une infraction pénale est fondamental, et qu'une telle décision n'aurait pas pu être rendue par nos juridictions. Je n'entends pas ici remettre en cause cette considération, mais je tiens tout de même à souligner qu'il n'est pas question ici de réprimer une infraction pénale, mais de démontrer que le droit positif s'applique. De ce fait, la partie adverse, dans son argumentation, sous-entend également, d'une certaine manière, que le droit positif s'applique au sein du métaverse, puisqu'elle démontre, et avec justesse, qu'une infraction pénale ne peut être caractérisée dans le métaverse, puisque la matérialité de l'infraction ne peut être démontrée. L'exigence de la matérialité de l'infraction pénale relève pourtant du droit positif. En vertu de l'ensemble de ces considérations, mesdames, je laisse la parole à mes consoeurs qui vont vous démontrer que le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a méconnu le droit positif en autorisant l'association Pensée Anthroposuprémaciste à pratiquer son activité au sein d'une salle communale au sein du métaverse. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, pour faire suite à l'intervention de ma consoeur et aux conclusions du rapporteur public, il me semble important d'aborder un point crucial dans l'affaire, celui de l'intérêt général ayant motivé le maire à prendre son arrêté. Les défendeurs soutiennent dans leur mémoire que l'arrêté est effectivement motivé par l'intérêt général en ce qu'il se fonde sur la garantie d'une liberté d'expression la plus totale. Si nous, requérantes, admettons que l'intérêt général commande effectivement de garantir les libertés fondamentales, dont fait partie la liberté d'expression, et de ne pas limiter ces libertés sans raison, nous soutenons qu'en cas d'atteinte ou de risque sérieux d'atteinte à l'ordre public, celle-ci puisse être limitée. Cette limitation doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité. Les défendeurs soutiennent qu'il n'est pas prouvé que la liberté d'expression sans limite dans le cadre de l'activité litigieuse puisse troubler l'ordre public. Il l'a pourtant été démontré dans la substance même de nos mémoires, et mes consoeurs insisteront sur ce point. Il convient d'ores et déjà de rappeler que la dignité animale est une composante de l'ordre public depuis un arrêt 30 millions d'années du 16 avril 2030. Cela intègre la notion d'ordre exprimée dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant les éventuelles limites à la liberté d'expression. Ainsi, lorsque l'équipe adverse affirme que la dignité animale ne saurait justifier une restriction de la liberté d'expression, elle se méprend totalement sur l'étendue actuelle de la notion d'ordre et d'ordre public. Quant à l'identification du risque d'atteinte à l'ordre public, l'équipe adverse pense pouvoir valablement faire croire que l'activité est anodine et qu'elle se contente de permettre de, je cite, « décompresser, s'exprimer et extérioriser ses frustrations ». Ce qui, selon elle, ne semble en aucun cas méconnaître les composantes de l'ordre public et de l'ordre au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Devons-nous toutefois rappeler la nature de l'activité qui n'est que très peu mentionnée par l'équipe adverse. Nous parlons bien ici d'une activité de violence et de maltraitance envers des avatars animaux. Quand bien même il ne s'agirait que d'avatars animaux, il est de la substance même d'une activité de violence d'être susceptible de porter atteinte à l'ordre public et en tout état de cause d'être néfaste. Partant, même faussement fondée sur la liberté d'expression, il ne s'agit aucunement d'une activité vertueuse, comme mes consoeurs le démontreront. Aussi, pour en revenir à la nécessité
de restriction en cas de trouble avéré à l'ordre public ou de risque de trouble, une mesure doit être prise pour permettre de faire cesser ce trouble, laquelle doit être proportionnée. Ici, l'activité ne peut qu'être interdite, la déplacer serait inopportun, en ce que le problème réside dans la nature même de l'activité, une activité de violence et de maltraitance. En permettant une activité au nom de la liberté d'expression sans limite, le maire de Saint-Michel en montagne va autoriser la violence. Or, une activité violence n'étant pas limitée ne peut être vertueuse. Ainsi, en pensant agir dans l'intérêt général, le maire va en réalité ouvrir la voie à une activité violente risquant de troubler l'ordre public. Sur ces mots, je laisse la parole à ma consoeur, maître Chiavelloni, pour corroborer mes propos. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, afin de poursuivre la réflexion de mes consoeurs et de réagir aux conclusions de la rapporteure publique, nous continuons en soutenant que le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne, en autorisant l'activité proposée par l'association Pensée Anthroposuprémaciste, a bel et bien dépassé les limites de ses compétences. Le défendeur soutient que le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a, je cite, « simplement usé de sa compétence en matière de location de salles communales ». Une compétence notamment octroyée par le législateur en vertu de l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. J'insiste sur le maintien de l'ordre public. Toutefois, partant du postulat comme la partie adverse l'affirme, que le maire, lorsqu'il détermine les conditions dans lesquelles les locaux communaux peuvent être utilisés, doit tenir compte du maintien de l'ordre public, comment est-il possible de ne pas admettre que dans les faits, le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a bel et bien manqué à son devoir ? Il paraît nécessaire de rappeler à la partie adverse qu'en l'espèce, le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a autorisé une activité ouverte à tous, porteuse de maltraitance envers les animaux virtuels, constituant une atteinte à la dignité animale virtuelle, plus particulièrement à son intégrité physique virtuelle. La dignité animale virtuelle, qui, comme je le rappelle, est une composante, considérée comme partie intégrante de l'ordre public depuis la décision du Conseil d'État, Association Corriverse, rendue le 15 janvier 2034. Un moyen que ma consoeur se contentera de développer par ma suite. Dès lors, ne paraît-il pas évident que l'autorité de police administrative, au-delà des interdictions dont elle fait l'objet dans le cadre de l'exercice de ses compétences, les a dépassées en autorisant une activité contraire à l'ordre public, susceptible de provoquer un trouble à celui-ci ? À vous de me le dire. De plus, au-delà de ce que la partie adverse fait valoir alors qu'il n'en est rien, et en poursuivant sur les conclusions de la rapporteure publique allant en notre faveur sur ce point, nous continuons de soutenir que si en vertu de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre public, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, l'autorité de police administrative reste soumise au régime général de la police administrative laissant de côté toutes les dispositions relatives à l'exploitation de locaux communaux. Elle reste par conséquent soumise aux interdictions que le régime impose, dont l'une constatée par l'arrêt d'Audignac, rendu en 1951 par le Conseil d'État, pose le principe selon lequel, en l'absence de texte législatif habilitant expressément l'autorité de police administrative à autoriser une activité, elle ne peut instaurer un régime d'autorisation préalable d'une activité au titre de ses pouvoirs de police. Une solution qui, je tiens à le rappeler, fait l'objet d'une jurisprudence constante, réitérée encore 70 ans plus tard par une décision du 28 octobre 2021 rendue par le tribunal administratif de Bordeaux, qui vient confirmer et ne fait que constater au regard de l'autorisation donnée par le maire de Saint-Michel-en-Montagne l'excès de compétence de celui-ci, qui n'a dans cette situation pas prévenu un trouble à l'ordre public, mais plutôt contribué à l'inciter dans la commune en question, et j'insiste vraiment sur ce point. Dès lors, en raison de ce moyen, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, nous vous demandons d'accueillir nos demandes. Je cède la parole à ma consoeur, Maître Barascu. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, afin de poursuivre et de compléter les argumentaires de mes consoeurs et de rebondir sur les conclusions du rapporteur public,
Nous allons nous attarder sur l'atteinte à l'ordre public, et plus particulièrement dans un premier temps sur l'atteinte à la dignité animale virtuelle. Après avoir étudié les moyens de la partie adverse, nous nous rendons vite compte de leur impertinence. En effet, pour justifier l'absence d'atteinte à l'ordre public, celle-ci se borne dans un premier temps à se fonder sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 15 novembre 2010, selon lequel la maltraitance envers les animaux ne constitue pas une atteinte à l'ordre public. Il ressort de cet argument une méconnaissance de l'évolution de la jurisprudence par la partie adverse, puisque, comme nous l'avons dit, dans un récent arrêt Association 30 millions d'amis rendu par le Conseil d'État le 16 avril 2030, il consacre le respect de la dignité animale comme composante de l'ordre public, qui est ensuite étendu dans les espaces virtuels par l'arrêt Corrivers du 15 janvier 2014, et ainsi l'ordre public est valable dans le métaverse, comme l'a affirmé le rapporteur public. Ainsi, ce fondement est inopérant au vu de l'évolution de la considération des animaux. Par ailleurs, pour remettre en cause une potentielle atteinte à la dignité animale, les défendeurs se bornent à faire une mauvaise interprétation de l'avis rendu le 28 mai 2034 par la section du numérique du Conseil d'État visant à définir la dignité animale. Cet avis affirme certes qu'en principe, la dignité peut être définie comme l'atteinte par des sévices ou des violences portées à des animaux ou des êtres vivants doués de sensibilité. Toutefois, le Conseil d'État met en avant que, par exception, cette atteinte peut être envisagée même en l'absence de ressenti des animaux virtuels, et celle-ci est caractérisée dès lors, je cite, qu'il est porté atteinte à son honneur, soit parce qu'il est exhibé à la vue de tous dans des positions humiliantes et dégradantes le décrédibilisant, soit parce qu'il est exposé en pleine souffrance au grand public, et dans les cas où l'estime que l'on porte aux animaux serait moindre. Ici, la partie adverse affirme que la maltraitance des animaux promue par l'association anthroposuprémaciste n'est pas de nature à porter atteinte à l'ordre public, puisque l'activité serait effectuée dans un lieu restreint et que les avatars ne peuvent pas ressentir de sentiments d'humiliation ou de souffrance. Toutefois, mesdames, permettez-moi de vous rappeler que l'activité prévue par la dite association s'exerce dans des locaux communaux, ouverts à tous, en libre accès et sans limite d'âge. Ainsi, le caractère restreint de l'espace ne me semble pas suffisant. En outre, j'ose penser que toute personne raisonnable serait d'avis que de battre un animal, même avatar, à mort ou par analogie jusqu'à sa disparition du métaverse, serait de nature à me placer dans une position humiliante et dégradante, et que cela dévoile une considération moindre, voire inexistante, envers les animaux. Par là, il est porté atteinte à la dignité de l'avatar animal, même en l'absence de ressenti de celui-ci, comme l'affirme le Conseil d'État. Enfin, la partie adverse retient que les actes de maltraitance ne pourraient pas être retenus au sens de l'article 521-1 du Code pénal, en l'absence de matérialité de l'infraction. Cependant, je tiens à rappeler que notre litige est ici administratif et non pénal. Qu'ainsi, il ne vous est pas demandé, mesdames, de vous prononcer sur la caractérisation de l'infraction. Toutefois, conformément à l'article 1er du règlement européen du 27 juin 2032 et à l'arrêt Association Corrivers rendu par le Conseil d'État le 15 janvier 2034 qui consacre le respect de la dignité de la personne humaine et des animaux même au sein des espaces virtuels, il semblerait que la matérialité des faits ne soit plus un critère effectif à la reconnaissance d'une atteinte à la dignité. Je laisse la parole à Maître Deschamps pour conclure notre argumentaire. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs le Tribunal, afin de clore notre réflexion, je vais aborder deux derniers points essentiels en ce que la sécurité publique et la dignité humaine sont atteintes. Avant tout, je tiens à préciser que l'arrêt litigieux se base sur l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, conformément auquel le maire doit veiller au maintien de l'ordre public au sein des locaux communaux. Vous le savez mieux que quiconque, la sécurité publique est une composante de l'ordre public. La question qui vous est posée est alors de savoir si l'activité autorisée par le maire risque de troubler l'ordre public. En ce sens, l'activité prônée est une incitation à la maltraitance animale virtuelle, au comportement d'un degré de violence considérable au nom de se défouler. Comme en témoigne le rapporteur public, les libertés doivent être restreintes lors d'une atteinte à l'ordre public. Et c'est exactement cela dont il est question aujourd'hui. Permettez-moi de prévenir de ces risques qui nous touchent toutes et tous
au nom de l'intérêt général. Cette situation n'est nullement comparable à ce qu'on a pu connaître avec les jeux vidéo. Je me permets de préciser que les jeux vidéo ne sont en rien analogiques au métaverse, ou seraient tout au plus leurs ancêtres appelés proto-métaverse. Il paraît paradoxal de relever que la manifestation de violence dans l'espace public ne constitue pas un risque pour le maintien de l'ordre public. Nous sommes en 2035. Les technologies que nous connaissions ont largement évolué et la plateforme de métaverse auquel nous faisons référence est un univers immersif nouveau influençant directement le cerveau de ses utilisateurs. Ces conséquences ne sont pas hypothétiques, comme le soutient la partie adverse, mais prouvées par la science. Il en est de même pour les sports violents. Il est question ici de maltraitance, d'une activité qui nourrit la volonté de violenter, qui n'est faite ni dans le respect, ni dans le contrôle. Ainsi, le maire a commis une erreur en autorisant cette activité, et il est de votre ressort de prévenir et d'interdire cette atteinte. En second lieu, le rapporteur public a omis d'aborder un moyen fondamental, l'atteinte à la dignité humaine. Il me paraît nécessaire de rappeler que la dignité humaine est également une composante de l'ordre public depuis l'arrêt Mort-Sans-Sur-Orge de 1994. Je vais être brève et claire quant à ce point qui me semble manifeste. Pensez-vous, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, qu'autoriser une activité adonnant l'homme à des pratiques dégradantes et potentiellement pénalement répressibles reconnaissent la dignité de la personne humaine? Personnellement, cette dévalorisation de l'être humain m'est inconsidérable. Si vous méconnaissez ce trouble aujourd'hui, alors vous ouvrez une brèche, ce que précisément le Conseil d'État a empêché dans son arrêt Association Corriver de 2034. En conséquent, nous demandons à la Cour de faire droit à la demande du préfet de l'Ardèche, entraînant l'annulation de l'arrêté pris par le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne. Merci. Pour la commune, nous vous écoutons pour vos observations. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames les conseillers. J'aimerais revenir sur trois points. D'une part, l'application du droit positif au sein du métavers. Il n'en est rien. Je vais vous démontrer pourquoi. Les arguments de la partie adverse ont totalement dénaturé notre argumentation. D'une part, parce que la loi ne peut pas tout prévoir. C'est la raison pour laquelle elle reste silencieuse s'agissant de l'application du droit positif au sein du métavers. De plus, l'avatar ne dispose toujours pas de statut juridique. Il est toujours en débat. On ne peut donc pas lui appliquer un régime qui n'est vraisemblablement pas le sien. Et quand bien même le droit positif s'appliquerait, il est respecté. D'autre part, je reviendrai sur le motif d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a, dans une décision de 1971, érigé la liberté d'association en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Là encore, il s'agit d'une notion qui profite au bien de tous et qui, au sens de l'article 4 de la DDHC, ne peut être restreinte qu'à partir du moment où elle nuit à autrui. En effet, la potentialité d'un trouble ne suffit pas à justifier une interdiction absolue. Je rappellerai que la liberté est le principe et la restriction n'est qu'une exception. Pour revenir dans un troisième temps sur les jeux vidéo, le métavers est un jeu vidéo. La partie adverse a évoqué dans sa requête, ainsi que dans son mémoire en réplique, un rapport interministériel qu'elle a mal lu, puisque celui-ci dit bien que les jeux vidéo et le métavers sont liés. En effet, ce rapport montre que les proto-métavers et le métavers sont assimilés aux jeux vidéo, puisque même si le métavers reste un espace virtuel immersif, les jeux vidéo aussi ont évolué et sont dorénavant immersifs par des casques de réalité virtuelle. Et j'aimerais rappeler sur ce point également l'arrêt Ragnarok du Conseil d'État du 18 juin 2034, qui a clairement établi que la violence qui ressort des jeux vidéo ne cause pas de troubles à l'ordre public.
En effet, quand bien même il serait d'une extrême violence, les jeux vidéo ne sauraient compromettre l'ordre public de sorte qu'il faille les interdire. Pour ainsi dire, ce n'est pas le degré de violence d'une activité qui justifie le fait que l'on puisse l'interdire ou non, c'est plutôt sa capacité à troubler l'ordre public. Pour le reste, je passe la parole à mes confrères. Merci. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les conseillers, contrairement à ce qui a pu être avancé par la partie adverse, nous affirmons que l'arrêté municipal autorisant l'association à exercer son activité dans le local communal n'est ni entaché d'incompétence et n'est pas contraire à l'ordre public. Cette considération a été appréciée par le rapporteur public et nous sommes particulièrement d'accord avec cette appréciation-là. Il ne s'agit pas d'un excès de pouvoir, car le maire a agi en fonction des compétences qui lui étaient tirées par la loi. En droit, l'article 2144-3 du Code général des collectivités territoriales affirme que l'occupation d'un local communal par une association est soumise à la délivrance d'une autorisation par le maire, car le demandeur doit en faire la demande. Cette notion de demande implique désormais qu'il doit y avoir une autorisation, car la demande ne peut pas être délivrée sans aucune conséquence derrière. Cette demande implique un refus, qui peut être implicite, ou une acceptation. Cette acceptation vaut autorisation, et c'est ce qui a été fait par le maire dans son arrêté. Il ne s'agit pas d'un excès de pouvoir dans la mesure où les dispositions de la loi ont été respectées. Cette loi, cet article, fait référence à trois motifs pour refuser la demande. Il s'agit soit des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. En ce qui est du maintien de l'ordre public, aussi surprenant qu'une activité puisse être, Monsieur le maire, le maire ne pouvait pas fonder son refus sur le caractère extrémiste d'une association. Ce principe-là est déposé par la jurisprudence dans un arrêt du Conseil d'État. Ensuite, en 2002, le Conseil d'État affirmait également dans son arrêt Front National que la tenue d'une réunion en tant que telle n'est pas susceptible de représenter un danger pour l'ordre public, un danger auquel les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées. De cette manière, il convient de remarquer que pour valablement refuser une mesure de mise à disposition d'une salle communale, une association, il faut démontrer, selon le principe jurisprudentiel posé par l'arrêt Benjamin, le principe de proportionnalité, qu'aucune mesure moins restrictive ne pouvait maintenir cet ordre public. Sans cela, la décision du maire ne serait qu'illégale. Pourtant, la partie adverse, en affirmant le contraire, ne prouve pas en quoi la décision du maire d'autoriser porterait atteinte à l'ordre public. Une vraie atteinte caractérisée par des éléments matériels et pas simplement une éventualité, une incertitude au regard des effets de l'activité de l'association. La partie adverse affirme que la décision ne relève pas de la compétence du maire et s'oppose frontalement aux dispositions de la loi qui ont pourtant été acquiescées par le rapporteur public. Le maire n'a pas excédé les limites de ses compétences. En ce qui concerne le respect de la dignité animale, je ne souscris pas non plus aux conclusions du rapporteur public, et bien au contraire. La violence réalisée en l'espèce sur un animal virtuel, dans un monde virtuel et dépourvu de toute matérialité, ne peut caractériser une atteinte à la dignité de l'animal et ne saurait troubler de manière concrète l'ordre public. L'arrêt Corvivre du Conseil d'État a consacré en effet la dignité animale dans le monde virtuel et dans le monde réel comme une composante de l'ordre public. Mais elle n'avait pas tout de suite défini les éléments qui constituaient cette atteinte. Ces éléments ont été établis dans l'avis du Conseil d'État rendu le 28 mai 2034. Et celui-ci disait: la dignité animale est compromise dès lors qu'il est porté atteinte à son honneur, soit parce qu'il est exhibé à la vue de tous,
dans des dispositions humiliantes et dégradantes, le décrédibilisant, soit parce qu'il est exposé en pleine souffrance au grand public. Il y a là une dimension visuelle qui est importante. Le trouble, l'atteinte doit être visible. En quel cas, il ne pourrait être caractérisé une atteinte à la dignité animale. Il faut rappeler qu'un animal n'est pas un humain, que la différence fondamentale entre l'homme et les animaux ne peut pas nous permettre d'effectuer d'accorder aux animaux une protection, une considération égale à celle qu'on pourrait accorder à un être humain. Le but n'est pas de personnifier un animal. Le but est de laisser la liberté d'expression s'exprimer dans tous les cas. Car celle-ci, même si nous concevons que la liberté d'expression n'est pas absolue, elle ne doit pas non plus être renfermée par des considérations qui ne sont pas expliquées. Lorsque l'activité promue par l'association est floutée, comme c'est le cas dans l'espèce, les violences sont floutées, les violences ne sont pas visibles, cela signifie que le critère de visibilité affirmé par le Conseil d'État n'est pas rempli. Et dès lors, la dignité animale n'est pas portée atteinte. La maltraitance animale qui pourrait potentiellement en découler serait ici une atteinte à l'intégrité physique de l'animal. Sauf qu'il s'agit ici d'un animal virtuel. Un animal virtuel est en réalité une suite de codes dans le métaverse. Il n'a pas cette notion de physique comme pourrait avoir un humain. Il ne peut pas être dès lors constitué une atteinte à l'intégrité physique, et celle-ci, à l'inverse de la dignité animale, n'est pas une composante de l'ordre public. Il peut y avoir dès lors une situation dans laquelle l'intégrité physique l'atteinte à l'intégrité physique n'a pas constitué une atteinte véritable et concrète à l'ordre public. Une violence animale exercée dans un monde virtuel, dès lors, c'est-à-dire dépourvue de toute forme de matérialité, de tout caractère tangible, ne peut pas constituer une atteinte à l'ordre public. Et comment parler de l'intégrité physique virtuelle? Virtuelle et physique constituent pour moi un paradoxe sans nom. On ne peut pas caractériser une atteinte à l'intégrité physique virtuelle, enfin physique d'un animal virtuel. Ce n'est pas possible. Ensuite, la partie adverse estime que l'activité présente l'animal de manière humiliante et dégradante pour l'avatar d'un animal. Tout d'abord, un avatar, en tant que simple outil numérique, n'est pas doué de sensibilité. Il n'est pas doué de sensibilité et ne peut pas se sentir humilié, se sentir dégradé. L'atteinte est caractérisée dans la mesure où la personne qui l'a subie est dans la possibilité de la ressentir. Un animal virtuel ne ressent rien. En effet, l'humiliation, par définition, doit affecter notre amour-propre et nécessite d'être faite devant autrui, comme l'a rappelé le Conseil d'État. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Comme précisé en amont, l'activité ne se fait pas aux yeux de tous. Elle est effectivement exercée dans un lieu restreint. Et les animaux avatars ne sont pas exhibés, puisque les images sont floutées. Enfin, l'animal, avatar, encore une fois, ne possède pas d'amour-propre parce qu'il n'est pas réel. Ce qui se passe dans le métavers n'est pas réel, n'a aucune forme de réalité et s'arrête à partir du moment où l'avatar, l'utilisateur humain, se déconnecte. De ce fait, l'activité ne peut pas être considérée, encore une fois, comme une atteinte à la dignité animale. La partie adverse, en soutenant le contraire, personnifie de manière déraisonnable un objet numérique et ignore totalement la définition posée par le Conseil d'État, ainsi que les conditions qui s'y rattachent. Elle affirme également, pour tenter de rendre pertinente son argumentation, qu'il y aurait également une atteinte à la dignité humaine. Pourtant, je ne vois pas en quoi la dignité humaine
entre dans le champ d'application de notre cas d'espèce. En aucun cas, la dignité humaine n'est affectée par le fait de commettre une violence. La dignité, lorsqu'on entend une atteinte à la dignité humaine, il s'agit d'une atteinte à son intégrité physique, à ses valeurs morales, mais également dans le fait de présenter l'homme en tant que lui, en tant que personne, dans une position humiliante et dégradante, comme il a été le cas dans l'affaire Marsan-Chiroge. Ce n'est pas les personnes qui étaient auteurs des violences, qui étaient victimes d'une atteinte à la dignité humaine, c'est les personnes qui sont victimes de ces violences. Il ne faut pas décaler le curseur et rester véritablement dans le cadre de la véritable définition de la dignité humaine. Celle-ci ne s'applique pas, elle n'est pas du tout pertinente au regard de cette affaire. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas annuler l'arrêté du maire, dans la mesure où ni la dignité humaine n'est considérée. Aucune atteinte véritable à la dignité animale a été constituée et le maire a été complètement en compétence de apprendre cet acte. Pour le reste, je me rapporte à nos écrits et je laisse la parole à mes consoeurs. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les conseillers, je voudrais tout d'abord revenir sur un point évoqué par la partie adverse concernant la question de la matérialité des faits. En effet, si cette question a été soulevée par nos soins, ce n'est pas pour que vous vous prononciez sur la qualification pénale des faits, mais c'est bien pour comprendre pourquoi notre société condamne les violences et la maltraitance. En effet, si la société condamne ce genre de pratiques, c'est bien parce qu'elles impliquent une douleur ou une souffrance pour la personne qui les subit. Or, en l'espèce, ce n'est pas le cas. En effet, c'est l'intégrité physique, valeur socialement protégée, qui est en cause lorsque l'on provoque des violences. C'est l'essence même de l'incrimination des violences. Mais lorsque l'on est dans un univers virtuel, avec des animaux virtuels qui ne sont que des simples outils numériques, il n'y a pas ce contact physique qui, justement, fait la violence. En effet, la Cour de cassation avait affirmé dans un arrêt du 18 mai 2022 qu'il ne pouvait y avoir de violence à proprement parler sans contact physique. C'est pourquoi nous avons décidé d'expliquer cet argument en vous faisant comprendre qu'on ne peut considérer une violence sur des substances qui ne ressentent absolument rien. Ensuite, j'aimerais également revenir sur la comparaison qui a été faite par rapport au sport de combat et notamment à la MMA. En effet, ce sont des activités dans lesquelles on fait preuve d'une violence, parfois même extrême, et pourtant celles-ci ne sont pas interdites. J'aimerais savoir pourquoi. Tout simplement parce que celles-ci n'impliquent pas une souffrance indue. En effet, les participants sont volontaires et ils exercent ces pratiques dans le but de se dépenser, dans le but de se défouler et dans le but d'extérioriser. Il en est de même dans l'activité proposée par l'association. En effet, c'est une activité thérapeutique qui a pour but de permettre à ses adeptes de se libérer de certaines frustrations qu'ils pourraient avoir dans leur vie de tous les jours, ce qui leur permettra notamment de mieux se comporter dans notre société. Ainsi, la partie adverse, lorsqu'elle exprime ses arguments, n'indique pas en quoi il serait porté atteinte à l'ordre public. En effet, elle a évoqué l'atteinte à la sécurité publique. Or, la sécurité publique est ce qui permet de prévenir les dommages aux biens et aux personnes. En l'occurrence, dans l'activité proposée, il n'y a pas d'atteinte aux biens et aux personnes, puisque nous sommes dans un univers numérique et donc non physique. Excusez-moi. J'aimerais également revenir sur la question de la liberté d'expression, bien sûr,
est une liberté fondamentale qui a été consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'article 10. Et bien sûr, la jurisprudence constante qui rappelle que la liberté ne peut être limitée sans raison valable. Dans l'arrêt Benjamin de 1993, le Conseil d'État a bien expliqué qu'on ne peut limiter une réunion sur la simple base qu'il y aurait de potentiels troubles, qu'il y aurait des risques que les individus se révoltent. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans notre affaire. L'activité proposée par l'association, il n'est pas indiqué formellement que cela conduise à des émeutes ou à des manifestations. En effet, cette activité, elle est faite dans un cadre restreint. Les images sont floutées, donc il n'y a rien qui laisse supposer une atteinte avérée à l'ordre public. Et ensuite, s'agissant de la dignité humaine, pour être compromise, elle suppose le fait que l'humain soit rabaissé, soit humilié ou soit utilisé à des fins contraires à sa nature. En l'espèce, il n'en est rien, puisque les adeptes, ceux qui participent à cette activité, vont être en position de force, ils ne subissent aucun mal, ils ne sont aucunement humiliés, ils sont juste en train de pratiquer cette pratique, mais je ne vois pas en quoi leur dignité serait compromise. Ensuite, j'aimerais, pour attirer votre attention, vous donner un exemple. En effet, il est de coutume dans certains événements, dans certains anniversaires, de par exemple frapper une piñata. Généralement, ces piñatas peuvent avoir des formes animales. Pourtant, on s'acharne dessus jusqu'à ce qu'il en sorte des bonbons. On pourrait dire qu'on le maltraite, mais est-ce que ça devrait être une atteinte à la dignité animale? Je ne pense pas. En effet, il n'y a encore là pas de ressenti, il n'y a pas d'atteinte, puisque c'est un objet qui ne ressent rien. Dans le cas d'espèce, c'est encore le cas. Les animaux ne sont pas souffrants, ils ne sont pas exhibés, comme le Conseil d'État le mentionne, à la vue de tous, dans des positions humiliantes et dégradantes. C'est pourquoi, Madame la Présidente et Mesdames les Conseillers, je vous demande de ne pas considérer l'atteinte à l'ordre public et à la dignité humaine plus particulièrement. Et pour le reste, je m'en remets à mes écritures et je laisse la parole à ma consoeur. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, si votre décision finale s'aligne aux conclusions du rapporteur public auquel nous ne souscrivons aucunement, il conviendrait également d'interdire les jeux vidéo considérés comme violents, tels que le jeu vidéo Ragnarok, évoqué dans nos écritures, puisque le principe est le même. Il est en effet possible d'y tuer des animaux, ou même de les maltraiter, et ce n'est pas pour autant que nous considérons ce jeu comme portant atteinte à la dignité animale, ou même à l'ordre public. Les jeux vidéo, comme Call of Duty, dans lesquels les actions y sont violentes, car oui, il est possible de tuer, ne sont pas considérés comme portant une atteinte néfaste à l'ordre public, ou à la dignité humaine. De plus, ces avatars, animaux et humains, sont composés d'une suite de chiffres ne leur permettant pas de ressentir la douleur du fait de leur irréalité. Je me permets donc aujourd'hui de demander pourquoi est-ce que cette violence serait acceptable au sein des jeux vidéo et non dans le métaverse, deux mondes créés de la même manière. Je me permets également de rappeler que la science avait considéré que le jeu vidéo pouvait porter un risque pour les utilisateurs, mais également pour ce monde réel dans lequel ils pouvaient potentiellement se permettre de reproduire les actions violentes auxquelles ils se menaient dans les jeux vidéo. Cependant, aucune violation dans notre monde réel n'a été portée. Mes consoeurs et mon confrère s'y présents, nous sommes demandés comment est-ce que nous réagirions si cela nous impactait directement, si cela touchait notre avatar animal. Après maintes réflexions, nous en avons conclu que cela nous serait égal. En effet, dans le métaverse, je le rappelle, les animaux ne sont qu'une suite de chiffres, ne ressentant pas la douleur, car ils ne sont pas doués de sensibilité.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas souscrire aux conclusions du rapporteur public quant à l'annulation de l'arrêté municipal du 25 août 2035. Et pour le reste, nous nous en rapportons à nos écritures. Merci. Pour le préfet, avez-vous des observations complémentaires ? Merci. L'affaire est mise en délibéré. L'audience est levée. Considérant ce qui suit. En 2033, la commune de Saint-Michel-en-Montagne a créé une commune virtuelle dénommée Saint-Michel-en-Métaverse, qui reprend l'espace territorial de la commune réelle que des avatars peuvent parcourir afin de développer le tourisme. Tous les membres du conseil municipal, dont le maire, disposent d'un avatar et la commune est gérée par ce conseil municipal virtuel. La commune virtuelle dispose d'une grande visibilité sur le métaverse puisque 20 000 avatars s'y promènent chaque semaine. La commune virtuelle est gérée par la municipalité qui autorise ou non les activités proposées. Par un arrêté du 24 août 2035, le maire de la commune de Saint-Michel-en-Montagne a autorisé l'association Pensée Anthroposuprémaciste qui propose diverses sortes de maltraitance à l'encontre d'un animal avatar souffre-douleur dans le but d'améliorer les comportements interhumains à développer son activité dans le métaverse de la commune. Le préfet de l'Ardèche demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2035, en ce qui concerne l'application du droit positif. D'une part, au terme de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Quand bien même l'activité envisagée par l'association Pensée Anthroposuprémaciste s'exerce dans une réalité virtuelle, cette association répond bien à la définition qui en est donnée par les dispositions précitées. Dès lors que ces membres ont exprimé leur volonté de mettre en commun d'une façon permanente des connaissances ou une activité. Ainsi, l'association Pensée Anthroposuprémaciste possède le statut juridique des personnes morales visées par les dispositions précitées et est par suite soumise au droit positif. D'autre part, au terme de l'article R2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie à titre précaire et révocable par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. L'arrêté du 24 août 2035 du maire de Saint-Michel-en-Montagne autorisant l'association Pensée Anthroposuprémaciste à exercer une activité dans l'espace virtuel que la commune a créé doit s'analyser comme autorisation d'occuper le domaine public que constitue cet espace. Dès lors, il s'agit d'un acte juridique soumis au droit positif. Il suit de là que l'espace virtuel a vocation à être régi par le droit positif. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté, d'une part, au terme de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toutes mesures pour prévenir une atteinte à l'ordre public. D'autre part, au terme de l'article 10, lettre B de la Déclaration universelle des droits des animaux de 1977, les exhibitions d'animaux et les spectacles qui servent des animaux sont incompatibles avec la dignité de l'animal. Et au terme de l'article 1er du règlement numéro 2032-1026 relatif aux droits et libertés des citoyens de l'Union européenne dans les espaces virtuels, la dignité de la personne humaine doit être respectée même dans ces espaces virtuels. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées. D'une part, que le respect de la dignité de l'animal est une composante de l'ordre public, et d'autre part, que le respect de l'ordre public doit être assuré même dans les espaces virtuels. L'autorité investie du pouvoir de police municipale peut ainsi, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de l'animal. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association Pensée Anthroposuprémaciste promeut une activité consistant à permettre à des avatars humains d'exercer des violences de tout type sur des avatars animaux. Une telle activité méconnaît indéniablement la dignité de l'animal qui trouve à s'appliquer, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, même dans les espaces virtuels. Si la commune soutient que l'exercice de telles violences virtuelles sur des animaux améliorerait les comportements interhumains, ainsi que l'affirme l'association dans ses statuts,
Une telle affirmation, dépourvue de tout élément de justification, n'est, en tout état de cause, pas établie. En revanche, l'association affirme elle-même que son activité dans le monde virtuel a un effet dans le monde réel et donc son activité paraît susceptible de créer des troubles à l'ordre public dans le monde réel, compte tenu notamment de l'absence de limite d'âge pour prendre part à ses activités et de l'exposition au public des comportements en litige. Si l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie ainsi que l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, cette liberté n'est pas absolue. Et il peut y être porté atteinte lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée. En conséquence, en autorisant l'association Pensée Anthropos Suprémaciste à exercer dans le métaverse de la commune de Saint-Michel-en-Montagne l'activité déjà décrite, le maire de cette commune a méconnu l'article 22-12-2 du Code général des collectivités territoriales. Sa décision est donc illégale et doit être annulée. Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet dans sa requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 24 août 2035 du maire de Saint-Michel-en-Montagne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du Code de justice administrative, les dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la commune de Saint-Michel-en-Montagne au titre des frais liés à l'instance. Décide. Article 1er. L'arrêté du 24 août 2035 du maire de Saint-Michel-en-Montagne est annulé. Article 2. Les conclusions de la commune de Saint-Michel-en-Montagne présentées au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Article 3. Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Ardèche et à la commune de Saint-Michel-en-Montagne. Merci.